Ok, le staff de Super Promotion m'a demandé de vous le rappeler, alors je le fais bien volontiers. Dans les parkings, on roule pépère, pas d'accélération de malade, pas de course, pas de drift. Ce genre de bêtises a failli nous empêcher d'être là cette année. On peut remercier les dirigeants du circuit international du Texas qui nous accueillent. Eh bien, j'avoue que Ryan Cooper est franchement costaud en ce moment. Il fait une grosse impression sur Super Promotion. Je crois qu'il nous réserve plein de belles surprises, celui-là. Alors, juste une seconde. Thank you.
fait partie de mes pilotes préférés. Ça fait quelques années que je le suis, et je sais qu'il sera à la hauteur de l'événement. Ça fait du peur. Allez, coureur, chers spectateurs, on l'applaudit bien fort. Présent parmi nous, Takeshi Sato de l'écurie Apex Glide, une légende vivante d'une discipline à part, le drift. Attention tout le monde, ne ratez pas le team Apex Glide ici présent. C'est une équipe super rassemblée par Ryo Watanabe. Avant il n'y avait que des Japonais dans l'équipe, mais Ryo a fait venir quelques Occidentaux et pas n'importe lesquels, les meilleurs tout simplement. Et quelque chose me dit... Allez-y!
Amateur de pilotage, je crois que vous êtes servi. Je sais, avec Super Promotion, on n'est jamais déçu, mais aujourd'hui, c'est vraiment balèze. On a vu 2 ou 3 pilotes très impressionnants, quasi imbattables, mais la journée est...
Ben, c'est pas franchement une surprise, mais Ryan Cooper est en train de créer la sensation. Il aime bien jouer les modestes, mais moi je vous le dis, il est à l'aise le gamin. Et surtout... Vous avez vu, chers spectateurs, le niveau de pilotage aujourd'hui. Tout pilote présent sur Super Promotion doit donner le meilleur de lui-même. Un seul exemple, Ryan Cooper. Il a tout donné. Il a été incroyable ce week-end. Il a vraiment marqué l'épreuve cette année. Je me demande même si on ne tient pas un nouveau recordman sur Super Promotion. Yeah.
Tenez, vous allez vous marrer. Pendant la pause de midi, je discutais avec des gars du staff de Super Promotion. On parlait de Ryan Cooper. Bon, je vous la fais courte. Je leur disais que la supériorité de Cooper ce week-end me rappelait celle de Ryo Watanabe autrefois. Attention, je ne dis pas que Cooper sera le...